quelle raison? Parce que j'aime bien que la diction soit belle, que les gestes soient bien, que la mise en scène suive le détail de l'œuvre et non pas qu'elle invente sa chose. Alors j'ai écrit depuis un livre incendiaire qui s'appelle La Malsaine. Ah oui? Dont le titre dit peut-être toute ma hargne. Et il faut faire comprendre aux jeunes que le Cid c'est un superstar et non plus un vieux croulant du temps de Corneille. La question est de savoir si c'est efficace d'une part, oui, et si ça vaut la peine d'autre part. Et si on ne trahit pas l'essentiel du message. Et finalement, moi, pour avoir bassiné des élèves avec Corneille et Racine pendant des décennies, eh ben, je m'étais aperçu que finalement, Corneille, ça passait très bien. Mais oui, mais Corneille, ça passe tout seul. Enfin, le Cid, ça passe très bien auprès des jeunes. Il n'y a pas besoin de le mettre en blue jean. Mais qu'est-ce que vous pensez du Cid? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez du Cid? Moi, j'adore. C'est... je sais pas, c'est une pièce dont j'ai fait la connaissance, je crois que j'avais 15 ans. Avant, on l'étudiait. Oui, c'est bien en aussi. Troisième, en quatrième. Oui, oui. Moi j'avais, en quatrième, j'ai eu Esther. À un an près, c'est... Et bon, j'ai découvert le Cid à ce moment-là, et je me rappelle encore, c'est une phrase qui est restée là, mon prof qui dit, mais Corneille, c'était un jeune, quand il a écrit le Cid. Et c'est vrai, celle que j'imagine un peu plus difficile aujourd'hui, c'est Polyeucte. Parce que des Polyeuctes d'ici, de là, qui vont se faire, qui font quoi, un attentat suicide, finalement. C'est ça qui fait. C'est un petit peu plus difficile à faire. Enfin, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est 10 fois plus facile de faire comprendre les choses à des jeunes, mais en même temps... C'est le risque d'une confusion. Oui, absolument. Ce qu'il apporte, celui-là, enfin j'espère, c'est une réflexion plus approfondie sur le mélange des genres, peinture, poésie, musique. Quand on approfondit les choses sur une certaine période, avec un certain nombre d'œuvres, précise, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça nous donne vraiment l'image d'une époque et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? À condition qu'on comprenne quel est le sens de chacune des disciplines. Je veux dire que la musique n'a pas à apporter la même chose que la peinture. La musique se passe dans le temps, la peinture se passe dans l'espace, elles travaillent chacune dans son domaine particulier. Mais que fait la musique dans sa discipline? Que fait la peinture dans sa discipline? Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a des liens et que c'est vachement important. C'est un livre auquel je tenais qu'il ait son CD. Parce que je voulais absolument qu'une personne, même n'ayant pas une culture musicale très approfondie, puisse écouter la musique dont je parle aussi vite que dans un livre de peinture. On tourne les pages et on trouve les illustrations qui sont toutes prêtes, qui sont faites pour ça. Mais on ne le fait pas en musique habituellement. Et j'ai dû batailler avec Fayard pour qu'ils acceptent. Et maintenant, ils s'aperçoivent que j'avais raison. Et donc, les projets? Alors, moi,
Je suis sur un roman maintenant, qui me donne bien du souci, comme tous les bouquins, mais un peu plus que la moyenne. Et qui sera passablement différent des précédents, je pense. Jusqu'à présent, dans tous mes romans, d'ailleurs, je crois qu'on peut le remarquer facilement, je cherche à ce qu'ils soient complètement différents des précédents. Santana n'a rien à voir avec Héloïse, Héloïse avec... Tiens, il y en a un qui manque là, La Belle au bois. Alors si vous voulez une jolie histoire, oui. Je vais vous raconter une jolie histoire. C'est à propos du biographe. J'ai écrit ce livre, et puis peut-être, je sais pas, 2 ans après, je reçois un numéro de recherche, la revue sur la musique baroque et ancienne en France, et je tombe sur un article sur un pianiste du 19e siècle. Je lis et je tombe sur la photo de lui et à la page suivante, la photo de sa fille. Je la regarde et je dis, ah, c'est Héloïse, je la reconnais, je l'adore, elle est exactement comme ça. Alors, bon, tout va bien, le temps passe. Quelques temps après, je fais une émission sur, comment s'appelle-t-il musicien du 19e siècle justement, un musicien fameux dont j'oublie le nom, ça fait rien, et je le fais avec la musicologue spécialiste de ce musicien. Nous faisons notre matin des musiciens sur France Musique, et je lui raconte l'histoire de ce portrait que j'avais découvert dans son article. Alors elle me dit, mais c'est Augustine Bayaud. Mais oui, mais alors attendez, son descendant, il est toujours vivant, il a des tas de portraits d'elle, elle est très mignonne, il faut absolument que vous le rencontriez, etc. etc. Alors je dis, bon, oui, quelle bonne idée. Évidemment, le temps passe, je ne prends pas le temps d'aller voir ce monsieur, malgré l'envie que j'en avais. Et un jour, je sortais d'un conseil d'administration de la Chapelle Royale, dont j'étais le président à ce moment-là, dont les bureaux sont juste à côté de l'église Saint-Eustache, que j'aime beaucoup. Je vais passer un petit moment, j'avais un quart d'heure à perdre, ça ne m'arrive pas très souvent, j'avais un quart d'heure à perdre, je marche dans cette église que j'aime beaucoup, et tout d'un coup il y a un petit monsieur qui s'approche de moi et qui me dit « Monsieur Beaussang ?» Je dis « Oui ». Il me répond « Je suis le descendant d'Augustine Bayaud ». Je dis, ah, ça c'est formidable. Alors, il faut que vous veniez chez moi, j'ai son portrait, et puis j'ai l'original de cette reproduction, etc. Je lui dis, bien sûr, je vais venir, mais écoutez-moi, est-ce que vous voulez bien me faire un grand plaisir? Envoyez-moi une bonne reproduction de cette photographie, parce que moi, je n'ai que ce qui est apparu dans la revue, que j'ai encadré et qui est au-dessus de mon bureau, hein, parce que ça, c'est mon amoureuse favorite. Alors, il me dit, d'accord. 8 jours après, je reçois une grande photographie, et 15 jours après, je reçois une lettre des éditions Gallimard me disant, monsieur, votre roman, Le biographe, va apparaître en poche. J'ai dit, la couverture, je la vois. Voilà. Avouez qu'elle est mignonne. Elle est très jolie. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous lisez le livre après avoir vu sa photo, si j'ose dire, vous ne pouvez pas imaginer que je ne l'ai pas vue, parce que je décris ses yeux exactement comme ça, sa petite bouche exactement comme ça, c'est comme si je l'avais vue. Et alors, du coup, ça m'a donné une idée, et j'ai sur une étagère au-dessus d'une bibliothèque dans ma chambre, j'ai maintenant des choses, des reproductions, des images, des choses qui m'évoquent mes livres. Il y a une histoire moins forte que celle-là, parce que celle-là est vraiment forte. Mais un jour, je me trouvais chez le consul au Luxembourg belge, hein,
et il y avait une conférence, et puis il y avait une réception après chez le, c'est pas un consul, c'est un peu importe, et je tombe sur un tableau représentant des bohémiennes, 19e siècle aussi, et je dis bon, c'est les bohémiennes de Stradella qu'on voit là au milieu, quand ils sont dans la nuit autour du grand feu, et que voilà. C'est pas toujours facile de trouver le... D'abord le flash. Oui, et de trouver l'image propre pour un livre. Généralement, je le fais moi-même. Hein. Ça, je l'ai trouvé, moi. Et j'aime beaucoup cet orque. D'ailleurs, il est là, stocké. Et puis, alors là, c'est mon éditeur qui l'a trouvé, et je trouve ça génial.